Alors nous sommes arrivés Daf Nun He de Sanhedrin, Nun He pour le Shabbat 18 Elul Arachamim. Il nous restait les 6 dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet. 6 dernières lignes, Tanu Rabbanan Arachamim enseigne. Zachor, lo asuvo katan kegado. Bema asuvo katana kegdula. Il dit, Arachamim dit comme ça, Zachor, c'est-à-dire un garçon mâle, quand un homme il a une relation avec un enfant, Lo asevo katan kagadol, enfin avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien les hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors que behema asevo katan kagadol. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien que l'animal soit petit ou grand, il y aura la même sanction. Alors moi, il explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Mais lo asevo katan kagadol. Amarav. Rabbi dit, Lo asu be'at pahot me bentesh arshanim ke bentesh arshanim. Rabbi dit, si un homme y va avec un enfant moins de 9 ans, il est patour. Au-dessus de 9 ans, il est haya. Shmuel Amar, Lo asu be'at pahot me bentesh arshanim ke bentesh arshanim. Shmuel lui dit non, à moins de 3 ans, il est patour, mais après 3 ans, il est haya mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Bien, la Gemara explique pourquoi. Bemaï Kamevare, c'est quoi leur mahloket? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Rav, ça va. Kol de ete beshochev, ete benishkav. Le chod de l'ete beshochev, l'ete benishkav. Rav pense que quand un garçon, il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, alors, dans ce cas-là, il devient aussi potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Donc, comme pour lui, c'est 9 ans, quand il subit, c'est la même chose. Ça, c'est la vie de Rav. Maintenant, Shmuel Savar, Mishkeve Shaketiv. Shmuel, il dit, comme il y a marqué chez la femme, Mishkeve un homme qui va avec un homme, c'est marqué dans la Torah, Mishkeve Isha, comme on va avec une femme. Et comme nous savons aussi que la femme, c'est 3 ans la date limite, avant 3 ans, celui qui va avec une femme, c'est rien, mais après 3 ans, c'est important et c'est hayav. Alors là aussi, celui qui va avec un homme, un garçon, c'est 3 ans aussi. Tanya kevate de rab. Moi, je ramène ici une braïta comme rab. La braïta dit, Zachar ben tesha shanim biyom echad. Un garçon qui a donc 9 ans et 1 jour. Haba la behema. Il a une relation avec un animal, ben kedaka, ben shlo kedaka, que ce soit de façon normale ou pas normale, la Gemara va dire qu'il est hayab. Donc on voit bien que c'est un garçon, seulement après 9 ans. Mais Aisha, mi ve'ata be'ma, lea, ben kedaka, ben shlo kedaka, hayab. La Gemara continue là-bas, dit qu'une femme qui fait une relation avec un animal, que ce soit de façon normale ou pas normale, elle est hayab aussi, c'est hayab. C'est la suite de la Gemara. Et la femme, quel âge? Il n'y a pas de marque. Maintenant, dans la chambre, on va faire ça.